Et salut à tous, bienvenue pour une vidéo avec Captain Shadow. On est sur Mortal Kombat. Alors pour vous dire, on avait déjà fait cet épisode, mais comme un gros con, au moment où j'allais l'uploader pour que vous puissiez avoir, je l'ai supprimé. Sans faire exprès. Donc, on va se le faire en version accélérée, hein. Essayez pas trop mourir, ce serait pas mal. Je vais dans la rotule. Le royaume de terre exige mieux. Et écoute ça, enfoiré. Tiens, un mois. Je vais vous aider. Les promesses faites par Kronika vous ont cruellement trompé. Elle est la mère de Shinnok. C'est lui qui a fait de vous un esclave en revenant. Mais. Non. Elle est la mère de Cetrion. Et Cetrion est la sœur de Shinnok. Dans le projet de Kronika. Les ténèbres de Shinnok répondraient à la lumière de Cetrion. Ce qui arrivera uniquement si les royaumes continuent de se battre. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel idiot! Ce n'est pas idiot de combattre pour le sort de sa famille. Désolé, Raiden. Je promets de me rattraper. On a beaucoup de vent chez nous, donc vous n'oubliez pas si vous entendez racler, il y a aussi un ballon. Ça a tapé derrière moi. Donc là, ça sera la dernière vidéo, donc je vais essayer de tout faire en moins d'une heure si possible. Mais si elle dépasse un peu, voilà, on va tout faire dans la même vidéo. Non, je suis même pas prêt de faire ça à chaque fois.
Hop, ça c'est fait. C'est con, hein. Ça fait beaucoup penser à comment il s'appelle, Eden, qui est enfermé dans son dans sa prison après avoir fait des Shikamaru dans Naruto. Attention, Eden. Je contrôle les guerriers qui sont en train de s'aborder ta flotte. J'ai eu tort de pactiser avec Kronika, Frost. Toute ma vie, tu n'as fait que m'ignorer. Kronika, elle, a vu mon talent d'entrée de jeu. Fight. Ah, on l'avait pas vu, je crois, la X-Red. Ouh, dans l'œil. Ça a piqué quand même. Ouais, sympa. Elle a enlevé sa tête ? Mais le mec il se la pète alors qu'il a rien fait. Oh la vie, il est un coup, papy. Thank you.
les plans de Kronika nous ont pressés l'un contre l'autre. Ce cycle doit cesser, Liu Kang. Cette fois, je m'en charge. Ta force. Un cadeau de Kronika. Un cadeau de moi-même. Figure-toi. Tu as même volé ta propre arme. Perverti ta propre nature. Une leçon que tu m'as enseignée, Raiden. Combattre des ennemis par tous les moyens nécessaires. Fight. Oh, les dents. Il faut que je me rappelais lui. Oh, mâchoire. Dans le tibia. Couché, sale bête. J'ai pris le dessus sur les ténèbres. Et tu dois faire la même. Pour ça, tu devras. Ok. Je préférerais te sauver. Kronika pas contente. Mais quand on a cassé les couilles à la fin. Tu lui aurais expliqué pourquoi tu m'as. Ah, pourquoi t'es pas là? Non, j'ai expliqué pourquoi j'ai fumé. Mais bon, t'es dans le coin quoi. On avait tellement chié à le faire, honnêtement, même madame, je crois qu'elle a pas envie de le retaper. Franchement, non. Mais le jeu est sympa quand même en lui-même, l'histoire elle est sympa. Mais... tordu, certes. Oui. Vous ne voyez pas rebattre le boss une deuxième fois, quoi. Liu Kang, c'est moi. Ce n'est pas moi. Je vais passer Raiden. Faire partie de moi. Il est lié à mon arme. Là, il a fait de moi un dieu. Là, c'est encore au-dessus à côté. Mon jumeau revenant, j'ai absorbé sa connaissance du fort. Je sais où se trouve le sablier. On peut vaincre Kronika. Du désespoir naît la utilité. Je n'aurais pas cru que Raiden puisse me survivre. Bon, on va passer parce que ça me casse la couille. T'as quand même 4 cinématiques à se taper encore. Je préfère vous donner la dernière la plus intéressante. Hein. Bon, tu m'emmerdes, Kitana. Puis j'ai des mouches sous les yeux, c'est nucléaire.
T'as réussi à ouvrir le... Ouais. Casse-couille jusqu'au bout. Excusez-moi. Ah bah au moins. Attends, tu veux peut-être que j'enferme le chat quelque part? Ah, je vous en fie. Moi j'ai surtout peur en fait, faut plutôt que tu me tiennes à la fenêtre. Ouais. L'intercq. Vieux voilà métal qui sont tous tordus. En gros, t'as un bâton comme ça, Picard, et en bas, c'est l'inverse. C'est ça. Pardon, c'est le courant d'air. Moi aussi, j'en ai à l'intérieur. J'ai l'impression que ça va bien. Non, j'ai l'impression surtout qu'on n'a pas fini d'entendre les voisins. C'est un volet qui fait. Non, l'autre volet, il est vert, il est brûlé normalement. Allez, on y retourne. J'arrive pas dans l'air, c'est vraiment. Merde. Voilà, pour finir. Deuxième frère. Grâce à Chronica. Yukan Kung Lao. Hop, touché. Non, tu dois te calmer, dis-là. Premier round. Ah, toi t'es fait aussi. Tu es toujours en vie. Oui, Chronica. Tu as raison de craindre mes pouvoirs combinés à ceux de Raiden. Les pouvoirs d'un demi-dieu ne rivalisent pas avec une déesse ancienne. Phytrion. Comme vous voulez, mère. Une poire. Tu m'égales en tout point. Moi, c'est un compliment. Parce que tu n'as aucun désir de combattre ces triomphes. Tu luttes pour la vie.
je ne la décevrai. Aïe. Cétrion round. Essayez quand même en rouge. On va faire moitié démoniaque. Ok. Coup de latte qui est passé à côté, tu sais. Ouais, on m'emmerde. Putain, en plus, mon personnage. Tu fais des coups que je te demande, connard, ou pas? Merci le Geek Ops pour ton sub, donc ça doit être sub YouTube à mon avis. Vu que je suis pas en live. Regarde, je peux pas bouger. Non. Y'en a, c'est trop mal fait par rapport à ça. Cétrion en boss, elle est chiante mais ça passe. Par contre, sa mère elle est horrible. Et voilà. Enfin, le petit coup de poing. Direct dans la mâchoire. Je refuse ce futur. Oh, je vais toucher la pointe des orteils. Mon cœur te trahit, Cétrion. Je vous ai déçu, ma chère Cétrion. Tu t'es admirablement battue. Mais il te reste un dernier service à me rendre. Oui, mère. Je comprends. Elle a fini avec sa mère va nous casser les couilles. Et son combat est hyper chiant. Allez, go! C'est la fin? Hmm? Non, c'est pas la fin. Voilà. L'autre, elle remonte dans le temps et t'enlèves plus de la moitié des points de vie en 2 secondes. Là, tu peux pas bouger en fait. Elle te paralyse, elle te bloque et elle te spam en fait. Les coups de pied qui passent pas, comme par hasard. Allez, toi tu meurs tout seul. Tu peux rien faire. En fait, elle a rien à foutre de prendre des coups, parce que déjà, elle prend 0 dégâts. Mais en plus de ça, quoi qu'elle fasse, elle te fout dans la gueule, quoi. C'est le personnage est juste super mal foutu. Sauf qu'il y a des moments, et voilà, elle passe sa vie à se téléporter. Et t'as des rounds où elle va rien branler, où tu vas pouvoir la buter quasiment parfaite, comme j'ai fait lors de la dernière vidéo, quoi. On a hyper galéré. Mais regarde, elle fait que se téléporter, elle a déjà au moins une dizaine de téléportations depuis tout à l'heure. Elle te fait la moitié de tes PV en un coup, toi tu fais même pas un quart. Voilà, et en plus il y a ça. Comme par hasard, comme si c'était pas ça. Oh, et oh, tu vas te calmer toi, oui? Ok, alors mes attaques qui passent pas du tout en plus. Merde, et je suis en garde, connasse, hein. Elle est super, en plus, en plein milieu d'un combo, l'autre elle arrive, elle fait. Non, tu me touches plus. Ah, tes conneries. C'est hyper mal fait. Elle est super mal foutue. Ce boss est super mal foutu. Là, ils ont chié dans l'alcool, moi je te le dis. Oh, ta gueule, hein. Merci.
Volé de mes couilles. C'est un truc qui va me foutre mal la tête en 2 minutes encore, ce putain de volet. Ok, le coup que je t'ai mis dans la gueule, par contre, pas de problème, hein. Surtout, c'est que toi, t'as un perso. Pas encore. Ça va, par ça, je t'emmerde pas trop. Hein, t'as pas pourtant de jouer toute seule. Je m'en coupe plus dans la tête, elle a rien. Ouais, elle bouge pas. Faut faire tout le temps la même chose, hein. Voilà. Ah, super, l'ulti qui a rien à faire. Hein. Ça marche pas, il est tout seul. Ouais, mais genre, moi, je fasse un point de dégâts, quoi. Ouais. C'est bon, oui. Regarde! Je me prends un dégât dès que je baisse ma garde, je peux rien faire. En plus, il y a des putains de cinématiques au milieu qui servent à rien. Oui. Que bizarrement, en plus, si tu lui fous la branlée au premier round, elle fait pas ce truc là. Je vais devoir te régler ton compte. Fight. Ah oui, j'oubliais. Toi qui est pas chiant du tout, hein. Ah oui, elle soigne par contre dans sa boule. Hein. Toi t'as des points de vie, l'autre elle soigne. Ok, mon truc il passe dans la gueule, mais ça fait rien par contre. Ok, ça sert à quoi ça par contre? Non. Ouais, et coup dans ta gueule ou? Oh! Non. Attends, tu lui fous des coups, c'est barbier, elle bouge plus après. Honnêtement, si tu me pas moins une dizaine de fois, le jeu te dit non, tu passeras pas ce boss. De toute façon, ils ont fait exprès. Mais sur la tête, j'ai pas vu un mec le one shot, hein. Et je parle bien de one shot, c'est-à-dire se taper tous les trucs, oui. Et finir par le boss de fin, par revenir sur le boss de fin alors que t'as fait 50 fois d'effet derrière. Il n'existe plus que le nouvel âge. Y'a pendant que tu l'attaques, l'autre est préparé à son attaque. Donc tu peux pas te mettre en garde entre deux attaques que tu fais. À se coucher, sale bête. Ouais, on garde, hein. Mais c'est rien, par contre. Allez, toujours les attaques qui ont même pas assez de portée pour toucher la comtesse. Putain, j'ai l'impression qu'il était derrière moi, par contre. En fait, ça, ta garde ne sert à rien parce que dans tout cas, elle passe à travers. Oh, j'étais derrière elle. Super. Là, toi, c'est les nerfs qui parlent. Pardon.
prends rien. On avait plus gagné que ça quand même la dernière fois. Ah, fait peut-être une dizaine de fois. En tant que nouveau protecteur du royaume Terre, Seigneur Liu Kang. Qu'est-ce que je dois faire à présent? Tu es désormais l'architecte des sabliers. Tu dois ramener le sablier à l'aube des temps et façonner une nouvelle histoire, une bien meilleure. J'ai le sort de tous les royaumes entre les mains. Raiden. Il te faut une partenaire avec qui partager les éons. Qui te l'a? Vos destinées ont toujours été entremêlées. Nous sommes loin dans le passé, mais il m'est encore possible de l'atteindre. Retournez ensemble à l'aube des temps. Sculpte le contenu du sablier pour forger un meilleur futur. J'ai hâte de te croiser à nouveau dans le prochain continuum. Alors je ne vous dis pas adieu. Tu es prête? Oui, mais on aura beau façonner les sables, on ne peut pas prévoir toutes les possibilités. Les mortels feront leur propre choix. De nouveaux démons émergeront. Chaque royaume doit choisir sa destinée. Quels que soient ses choix, nous y ferons face ensemble. Et voilà comment est fini Mortal Kombat. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Peace!